Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes totalement automatique, vraiment génial à réaliser. Vous allez voir, c'est un tour finalement mathématique d'un grand magicien que l'on surnomme le professeur. Je veux bien sûr parler de Dai Vernon. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Comme d'habitude, pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser ce tour vraiment sans aucune manipulation, je vous invite à vous rendre tout simplement dans la description de la vidéo ou tout simplement dans la section commentaires. Je mettrai le lien pour avoir la vidéo explicative. Et pour les autres, je vous laisse admirer cette petite routine très sympa. C'est parti pour la démo de ce tour, vraiment très ingénieux, très sympa, vous allez voir, ça marche tout seul, c'est vraiment un truc de fou. Ça se fait avec un jeu de cartes, de 52 cartes différentes, qu'on pourrait emprunter le jeu, très important, et surtout je vous conseille vraiment de le faire mélanger par le spectateur. Alors vous faites mélanger le jeu, couper ce que vous voulez, c'est histoire en fait de ne pas connaître l'ordre des cartes. Personne, ni le spectateur ni vous, ne peut connaître le classement à ce stade du tour. Par la suite, c'est la partie la plus chiante et la plus longue du tour, on va dire. Ça va être de faire des paquets aléatoires, plein de petits paquets, plusieurs, histoire de laisser un libre choix au spectateur assez vaste. Vous allez voir, je passe cette partie en accéléré, mais vous avez compris le truc, il faudra faire comme ça pour la présentation. Allez, c'est parti. Voilà, je sais pas, cette carte, ouais, ça suffit. J'ai fait 1, 2, 3, 5 paquets, voilà. 5 paquets, vous pouvez le constater, ils sont pas tous égaux, hein. Certains sont plus épais que d'autres. C'est fait de façon aléatoire, on sait pas le nombre de cartes, hein. C'est fait vraiment à l'arrache, on va dire ça comme ça. Regardez bien, à ce stade-là, c'est le spectateur qui fait tous les choix du tour. C'est-à-dire que je vais poser au spectateur la question suivante, de choisir 3 paquets. Et attention, on utilisera les 3 paquets qu'il aura cités. C'est-à-dire que vraiment, s'il choisit ces 3 paquets-là, on va enlever les autres, on utilisera les 3 paquets qu'il a choisis. Il n'y a pas d'équivoque, vraiment. Donc, libre choix, là je vais faire le spectateur, mais vraiment ça se passerait comme ça avec un vrai spectateur. Imaginons qu'il choisisse celui-ci, celui-ci et celui-ci. Bah, du coup, on va retirer les deux autres. On les met de côté. Il nous reste donc maintenant 3 paquets. Et là, on pourrait même changer de spectateur, utiliser notre spectateur. Et de la même façon, on va lui faire choisir cette fois 2 paquets. Et de la même façon, les 2 paquets qu'il choisira, on ne les utilisera pas. On ne les mettra pas de côté, donc s'il choisit ces deux-là, on utilisera ces deux. S'il prend ces deux-là, c'est ces deux-là. Et ainsi de suite. Donc, le choix est libre, je vais faire le choix pour lui. Imaginons qu'il choisisse, allez, on va dire celui-ci et celui-ci. On va retourner les premières cartes. Et là, nous reste donc une inconnue, cette carte. Et cette carte, personne ne peut la connaître. Ni moi, ni le spectateur. Forcément, ça a été mélangé, tout a été fait de façon aléatoire, avec les choix également du spectateur. Pourtant, il existe une formule magique très spéciale qui va nous permettre de connaître cette carte très facilement. Vous allez voir, c'est très simple, il suffit d'additionner les 2 cartes que nous venons de retourner. Le 6 et le 2. 6, 7, 8. La somme fait 8 et surtout, surtout, toujours rajouter 10. 8 plus 10, ça fait 18. Il suffit de prendre maintenant les cartes qui nous restent, de compter 18 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... En main, nous reste donc 1, 2, 3 et 4 cartes. S'il nous reste 4 cartes en main, ça signifie que la carte mystère, c'est bien 4 de cœur. Et bien sûr, tout est examinable. Les choix du spectateur ont été entièrement libres, aucun forçage. Et pourtant, on est capable, grâce à cette formule, de découvrir et de trouver la carte qui reste inconnu. Et voilà, j'espère au moins que la petite démo vous aura plu. Alors ce tour est vraiment totalement automatique, c'est vraiment un casse-tête. Même l'explication, quand vous allez connaître le secret, vraiment, vous allez vous dire mais comment c'est possible, comment ça marche, qui a pu trouver un truc, une merveille pareille. Donc n'oubliez pas que si vous voulez apprendre ce tour et que vous voulez les explications, le lien de la vidéo explicative se trouve tout simplement dans le descriptif de la vidéo ou tout simplement dans la section commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Également, mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription pour apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces avec vraiment des tutos détaillés. Ça se passe ici, magistreaming.fr, fonctionne aussi également avec tutomagie.fr. Donc voilà, dessus vous allez retrouver pas mal de vidéos vraiment pour vous occuper, pour apprendre la magie. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est 100% gratuit. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous aimez le contenu que je propose et que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu et d'en parler autour de vous, ça me fait toujours plaisir. Et moi, ça me permet justement de référencier mieux mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!